Salut à tous. Salut tout le monde. Alors, premier verger, donc là cette fois c'est chez Abba, et du coup pareil, donc dans la gamme mes premiers jeux, donc il y en a plusieurs dans cette gamme là, et du coup ça se destine aux 2 ans. L'idée c'est que quand on choisit un jeu pour enfants, le mieux, ça reste de prendre un jeu qui nous plaît et qui nous tente. Oui. En fait, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile en tant que parent de se dégager du temps quand le jeu nous plaît que quand le jeu ne nous plaît pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis très très joueur et je me rappelle de mes filles petites qui me proposaient de faire un jeu qui me plaisait, j'avais toujours du temps pour jouer avec elles. Le jour où elles ont découvert le Memory des princesses Disney, malheureusement, je trouvais qu'il y avait d'autres trucs plus intéressants à faire, même ma vaisselle me paraissait plus intéressant, et du coup, je ne dégageais pas du temps pour jouer avec elle. Et donc, du coup, c'est vrai qu'un jeu qui vous plaît, c'est un jeu où vous pourrez plus facilement vous dégager du temps et du coup jouer avec eux. Et comme okay. Vos enfants sont surtout en demande de jouer, pas spécialement à un jeu, mais de jouer avec vous, ce sera encore plus simple. Alors, premier verger, du coup, c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir réussir à ramasser tous les fruits avant que le corbeau arrive au bout du chemin. Et du coup, les mange à votre place. D'accord ? Donc, chacun notre tour, on va lancer le dé. Et là, c'est de la reconnaissance de couleur. Alors, nous, avec notre regard d'adulte, on ne se rend pas compte. On se dit qu'il n'y a pas une énorme différence entre Little Coopération, par exemple, dont je viens de parler, et celui-ci. Mais en fait, la reconnaissance de couleur, c'est énorme. Ouais. Alors, c'est pas le l'important n'est pas de savoir que ça, c'est jaune. L'important, c'est d'être capable d'associer la phase de dé qui correspond avec la couleur du fruit. Okay. Vous pouvez appeler ça violet, orange. Alors c'est mieux si vous donnez la bonne couleur, hein, bien évidemment. Mais l'important pour pouvoir jouer à ce jeu, c'est d'être capable de faire l'association entre les deux. Effectivement. Voilà. Donc du coup, vraiment bien pour les couleurs. Et on a Jessica qui dit aussi très bon pour l'apprentissage des couleurs et le début du comptage. Voilà. Ça fait pas partie du jeu, mais effectivement, on peut commencer à apprendre à compter jusqu'à 4. Donc chacun notre tour, on va lancer le dé, Olivier. Et si je fais jaune, je vais pouvoir prendre une poire, okay. Du coup c'est la même couleur, ça correspond, et la mettre dans mon petit panier. Et donc, ce serait à toi de jouer. Jaune aussi. Une poire. Alors si on fait que du jaune et qu'il n'y a plus de poire, tant pis, on passera notre tour. Si je lance et que je fais panier, dans ces cas-là, je vais pouvoir récupérer le fruit de mon choix. Un seul. Par exemple, tiens, je vais prendre une pomme verte. Ok, okay. Imaginons que, pas de chance, toi tu lances le dé et tu fasses le corbeau. Le corbeau. Est-ce qu'on peut le voir un petit peu mieux ici? Ouais, on peut le voir. C'est parfait. Dans ces cas-là, le corbeau va avancer d'une case sur le chemin. Je vous rappelle que si le corbeau arrive au bout du chemin, il rentre. Dans le verger, il mange tout ce qui reste. Exactement. Et nous, tant pis pour nos bons gâteaux. Alors, petit point intéressant au niveau des tuiles, ne pas les coller en fait comme ça, ça permet à l'enfant plus jeune de pouvoir être capable lui aussi de déplacer le corbeau, parce que du coup on voit la table et que c'est moins abstrait. Oui. Si on les colle toutes, ça fait comme sur un plateau, avance d'une case, et pour l'instant, pour cet âge là, c'est encore trop abstrait, trop dur à réaliser. Donc voilà, c'est la petite astuce. La petite astuce pour vraiment que ce soit à l'aise pour eux, pour qu'ils puissent jouer. C'est ça. Parce qu'on en rappelle, on commence à partir de 2 ans sur... C'est ça, exactement. C'est vraiment les premiers jeux et du coup, c'est très simple. C'est un grand classique. Hein. Aujourd'hui, le verger, il a plus de 40 ans. Il a été décliné dans plein de versions différentes. Celui-là, c'est vraiment mon premier verger. La différence entre le verger classique et celui-ci, c'est le nombre de fruits à ramasser. Dans le verger classique, qui est à partir de 4 ans, il y a 40 fruits à ramasser. Donc du coup, on est sur un temps de partie beaucoup plus élevé que celui-là où du coup, nous avons 16 fruits. Et c'est pour ça qu'il est parfaitement adapté pour les petits dès qu'ils sont capables de faire l'association de couleurs. Ok, écoute, c'est plutôt bien. Je vais juste baisser un tout petit peu ici. Là. J'ai des petits retours techniques qui me reviennent. Hop là, on va essayer de modifier un petit peu en direct. Hop là, je repasse du coup sur la bonne scène. Donc, c'était pour ce jeu-là, premier verger. Donc, à partir de 2 ans, comme on l'a dit, un gros classique. Apprentissage des couleurs. Les premiers jeux de société, on apprend à jouer ensemble. C'est un jeu coopératif, il n'y a pas de problème si de perte et de gagner. Enfin, en tout cas, pas en opposition avec l'adulte avec lequel on va jouer. Donc, du coup, c'est plutôt plus simple de perdre quand on est plein à perdre que quand on est tout seul à perdre. C'est ça. Surtout si l'adulte, ça le fait rire de perdre. Oh, le corbeau, il a tout mangé. Du coup, ça amuse l'enfant. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Alors, dans cette gamme, il y en a plusieurs. Là, j'ai sélectionné le premier verger. Mais dans cette gamme de carré, mes premiers jeux, il y en a plein qui sont intéressants, mais il y a Pierre le Jardinier également, il y a Au Chantier, enfin voilà. Il y en a plein dans cette gamme-là qui sont vraiment chouettes, et après ils ont une autre gamme un peu plus fine, donc un peu moins chère aussi. Là par exemple, j'ai sélectionné le petit verre luisant, et à chaque fois en fait, du coup, il y a plein de matériel pour pouvoir faire plein de petits trucs différents. Donc dans le petit verre luisant par exemple que vous avez devant vous, là dans celui-ci, il va y avoir... de l'observation, il va y avoir de la construction et de l'équilibre, il va y avoir un petit parcours pour commencer à apprendre à se déplacer, voilà. Et du coup, chaque jeu de cette gamme
met en scène plusieurs petits jeux. D'accord, trop cool. Trop cool. Je connaissais pas Petit Verluisant.